Méditation, puits du cœur. Vous vous placez dans une position confortable, favorable à la méditation. Les paupières closes. Maintenant, vous vous concentrez sur le va-et-vient de votre souffle. Vous vous laissez bercer par le va-et-vient de votre souffle. Puis maintenant, concentrez-vous sur vos expirations. Concentrez-vous sur vos expirations. À chaque expiration, vous avez l'impression de vous intérioriser davantage. À chaque expiration, vous avez l'impression de glisser davantage dans les profondeurs de votre être, au centre de votre poitrine, dans le chakra du cœur. À chaque expiration, vous pénétrez davantage dans les profondeurs de votre chakra du cœur. Bientôt, vous avez l'impression de vous pencher au-dessus de la margelle d'un puits. Vous regardez au-dessous de vous, vers les profondeurs du puits. Là, au fond, il vous semble voir briller une petite lueur. Vous vous laissez tomber dans le puits. Bientôt, au fond du puits, vous percevez l'entrée d'un jardin. C'est l'entrée du jardin du cœur. La grille est recouverte de lierre. Vous poussez la grille et vous pénétrez dans le jardin. Regardez autour de vous. Quelles sont vos premières impressions? S'agit-il d'un jardin sauvage ou d'une composition formelle et géométrique? Est-il bien entretenu ou laissé à l'abandon? Distinguez-vous des mauvaises herbes parmi les plantations? Voyez-vous un potager ou des arbres fruitiers? Sentez-vous l'odeur des fleurs? Entendez-vous le bourdonnement des abeilles et le doux chant des oiseaux? Sentez-vous la fraîcheur du vent sur votre visage? Ramassez une poignée de terre.
Est-elle sèche et poussiéreuse, ou bien riche et pleine de nutriments? Est-elle noire ou argileuse? Observez maintenant le ciel. Est-ce l'hiver ou bien l'été? Est-il couvert ou dégagé? Y a-t-il autour de vous des éléments particuliers tels que statues, plates-bandes ou bancs de pierre? En tout cas, il y a un grand bassin. Vous vous rapprochez de ce bassin à l'eau limpide. Vous êtes maintenant tout au bord de ce bassin. Sans crainte et dans le lâcher-prise, vous plongez dans ce bassin. Bientôt, vous vous retrouvez au fond du bassin. Ici, en ce lieu, règne un silence tranquille, si tranquille. Vous vous sentez loin de tout, protégé de toute agression. Vous percevez des petites bulles qui semblent émaner du sable au milieu du bassin. Les petites bulles s'élèvent à travers l'élément liquide et viennent crever la surface du bassin, là, plus haut. Contemplez ces petites bulles qui s'élèvent, puis disparaissent lorsqu'elles rejoignent la surface aérienne. Ces petites bulles que vous contemplez symbolisent les pensées, les images parasites qui peuvent surgir de votre inconscient. De même que vous contemplez ces petites bulles qui s'élèvent, puis disparaissent avec lâcher prise, ainsi vous êtes dans le détachement non affecté pour tout ce qui peut se présenter dans votre champ de conscience. Vous êtes dans le silence. Silence, profond silence. Je vous laisse quelques minutes dans ce silence.
Soyez présent à votre méditation, attentif. Silence, profond silence. Maintenant, vous décidez de rejoindre la surface de l'eau. Vous sortez du bassin. Dans ce jardin, vous êtes dans le sanctuaire du cœur, un monde intérieur, un monde bien réel, mais situé sur un autre plan d'existence que le plan physique habituel. C'est à l'intérieur de ce sanctuaire que, par la suite, vous pourrez rejoindre votre guide intérieur lorsque vous aurez besoin d'aide. Soyez sûr que vous serez entendu. Il est temps maintenant de revenir vers le plan physique. Vous percevez au-dessus de vous comme un tourbillon de lumière et vous vous élevez vers une ouverture. Vous ressentez le va-et-vient de votre souffle. Votre respiration est plus ample, plus profonde. Vous ramenez avec vous la paix de cet espace du cœur. Vous ressentez bien votre front, les muscles autour des yeux, les doigts des mains, les paumes des mains, les orteils, les plantes de pieds. Vous tapotez votre nuque et vous ouvrez les yeux. Quand vous voulez, la séance est terminée.